aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais que ça fait énormément de temps que j'en ai pas fait et j'en suis fort désolée. Mais je n'avais pas d'appareil photo, enfin j'ai toujours pas mon cache d'appareil photo, bref voilà si vous me suivez un peu ce qui se passe. J'ai toujours pas mon cache d'appareil photo, il y a ma petite Marie qui a accepté de me prêter sa caméra donc je la remercie mille fois. Et du coup je filme avec sa caméra et voilà. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que je sais que vous l'attendez depuis longtemps et là je la fais un peu vite fait. Mais je tenais vraiment à la faire et en plus vous avez été nombreux à me demander les résultats du concours Instagram de l'été que je n'avais pas pu du coup tourner puisque j'avais pas d'appareil photo. Donc là je peux, j'avais dit que les résultats seraient en septembre, on est toujours en septembre donc ça colle. Mais je m'excuse même pour l'attente parce que c'est plus la rentrée maintenant et plus trop l'été. Au début je voulais choisir qu'une seule gagnante puis je me suis dit que c'était pas très juste puisqu'il y avait des photos qui faisaient plus des paysages, des photos qui étaient plus portraits. Donc je me suis dit que j'allais élire deux gagnantes, donc un portrait, un paysage. J'ai eu l'aide de ma petite mademoiselle Héloïse 62 si vous la connaissez qui m'a aidée à choisir, enfin j'avais présélectionné les photos puis elle m'a donné un peu son avis. Donc du coup elle a été d'une aide très précieuse. Je suis allée chez Sephora et j'ai acheté des petits lots donc de ma petite poche et voilà je vous ai concocté un petit truc sympa. Donc je vais vous présenter vite fait un peu ce qu'il y a dans les lots et je vais vous dire qui sont les deux gagnantes parce que je sais que c'est ça que vous attendez le plus. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. J'en ai sélectionné deux à chaque fois, enfin j'en ai présélectionné plusieurs et j'en ai élu une. Donc je vais vous dire qui c'est que j'ai élu en premier et je vais pas vous dire les deux d'après parce que bon ça foutrait un peu le seum. Mais si la première ne me répond pas dans la semaine pour que je lui envoie le colis, donc je contacterai la deuxième pour pouvoir lui envoyer le colis du coup parce que ce sera elle la gagnante. De toute façon en fin de vidéo je vous mettrai peut-être pas toutes les photos parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous mettrai les principales et celles que j'ai préférées. Donc si vous êtes dedans bah c'est quand même que vous avez fait des photos trop cool. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui fais attention Claire, il y en a qui mettent des photos, c'est pas à eux, ils les ont trouvées sur internet. J'ai remarqué, enfin c'était gentil de me prévenir, mais ne vous inquiétez pas, quand je vois qu'il y a une photo hors sujet de toutes les autres photos et que ça fait un peu genre photo paradisiaque, je me rends vite compte que ce n'est pas leur photo et je ne me fais pas duper. Donc la première gagnante pour son paysage qui était juste genre magnifique, vraiment j'ai adoré cette photo, elle était juste paradisiaque. Donc c'est une belle photo de la mer, je vais vous la mettre juste là. C'est Luna Tanto, et puis les couleurs sont juste magnifiques, puis ça donne trop envie d'être à sa place. Donc voilà, donc elle a gagné le premier lot qui est complètement différent du deuxième, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Il y a une montre qui vient de chez Shinsai, donc une montre trop mignonne. Les couleurs que j'ai pris un peu pour ce lot, c'est noir, blanc et orange, vous verrez. C'est une montre qui est vraiment trop belle. Je l'avais commandée, puis je me suis dit franchement ce serait un trop beau cadeau parce qu'elle est juste magnifique, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elle est comme ceci. Voilà, elle est juste trop top. Le deuxième produit qu'il y a dans ce lot, c'est un shampoing Swarovski. Donc je sais que c'est un shampoing qui se vend au supermarché, etc. Mais ce shampoing est vraiment top. Sinon je l'aurais pas mis dans un lot, j'aurais pas acheté juste histoire d'acheter. 19 complexes réparateurs, c'est un shampoing que j'adore, j'ai déjà utilisé, j'en ai fini une bouteille, elle est vraiment super bien. Ensuite vous avez le Very Real de chez Benefit, donc c'est l'eyeliner. Donc il est en petit, donc je me suis dit que ce serait quand même une super bonne idée. Je ne connais pas la gagnante, mais je sais qu'un produit Benefit ça fait toujours plaisir. Donc voilà j'ai acheté cette petite miniature qui est vraiment top. Ensuite j'ai mis des petites cartes, en tout cas la carte du mois prochain pour chez Sephora pour avoir un produit gratos et toujours génération Sephora. Et en plus de ça je vous ai mis un petit sticker en forme d'éclair. Donc la deuxième gagnante elle a fait une photo que je trouvais trop mignonne, enfin son compte Instagram c'est MarieFVR -du-bas. Je trouvais la photo hyper simple mais en même temps hyper jolie, hyper naturelle et hyper estivale. Je vais vous montrer maintenant le lot qu'elle a gagné. Premier, donc c'est un lot un peu plus Sephora là sur ce coup là. Le premier c'est un super gommage de chez Sephora Exfoliant Body Scrub. Ensuite c'est un, une crème de douche à la fraise. Donc il sent hyper bon hein, les produits de chez Sephora, même toutes les crèmes de douche elles sentent trop bon. Toujours chez Sephora, c'est les nouveaux modèles de chez Sephora. Ce sont des petits rouges à lèvres en fait, qui sentent mais juste trop bon. Donc la teinte c'est Kiss Me, il sent juste hyper bon et la couleur pour cet hiver ce sera juste top, c'est un espèce de bordeaux. Donc ensuite j'ai une lotion tonique très tonique, donc toujours de chez Sephora, hyper cool, Instant Refreshing Toner. Donc voilà, vraiment trop cool. Et le dernier produit, et non des moindres, c'est un vernis de chez OPI, donc en teinte rouge, c'est un basique un peu. C'est le Color So Hot It Burn.
Et c'est un vernis OPI, donc c'est de la super qualité. J'ai aucun doute sur la joie qu'elle aura quand elle ouvrira son colis. Et encore un petit sticker rose sur ce coup-là. Donc pour les deux colis, il y aura peut-être des petits trucs en plus. Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez été très 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 nombreux. Et c'est vrai que quand j'ai lancé ce concours, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et j'ai été vraiment hyper contente que vous soyez aussi enthousiastes. Mais je vous en remercie. Maintenant, je vais vous mettre quelques clichés que j'ai adorés. Vous n'avez peut-être pas gagné, mais en tout cas, vos photos m'ont beaucoup plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Fairy tales, I know, I like our story, kiss and